Autant vous le dire tout de suite et non, ne pleurez pas, c'est la dernière émission euh, sur so Sportive de cette année 2019. Rassurez-vous, en 2020, nous serons là et bien là. Et pour justement préparer ce passage de 2019 à 2020, en général, c'est la période des bonnes résolutions. Eh bien, j'ai avec moi Aude Ferbos. Bonsoir. Bonsoir, Christian. Vous êtes euh, journaliste bien-être tout à fait. Euh, et vous allez nous aider un petit peu à choisir les, euh, les bonnes idées pour euh, être en forme en, en 2020. Très souvent, on se dit ou à, chaque, ou à chaque début d'année Bon, cette année, euh, je m'y mets. Là, je m'y mets. Et puis, euh, on s'y met ou, ou pas, mmh. ou, parce que parfois, on n'arrive pas à trouver forcément le, le sport ou l'activité qui nous convient. Euh, on va donc essayer avec vous d'en savoir un petit peu plus. D'abord, est-ce que pour savoir et connaître euh, le sport que j'ai envie de pratiquer, de pratiquer, il faut bien me connaître moi déjà, parce que certains ne sont pas forcément à même de pouvoir tout faire. On est d'accord Se connaître soi ou au moins euh, savoir ce qu'on aime. Si on ouais. a envie d'y aller euh, à fond, si on a besoin de se recentrer, de se détendre, de se relaxer, si on aime être euh, pratiquer le sport en extérieur, en salle, si on a envie de pratiquer seul ou en groupe, d'être accompagné ou pas. Se connaître soi. C'est un long chemin. Envie ouais, de dire. non, mais là, au moins, déjà, savoir exactement ce dont on a envie, où on veut aller. Exactement. Et à partir de ça, vous avez, vous, des solutions à tout. Des ou solutions presque. à plein d'envies. Alors, Alors par, exemple. par exemple, imaginons que moi, euh, j'ai envie, euh, une, deux ou trois fois par semaine, pendant une heure ou une heure et demie, de tout donner et de finir à plat, je peux. Plat. ouais tout à fait. De mouiller le maillot ouais. euh, comme un fou. Comment un truc de fou, quoi. Alors là, moi, je vous prescrirai du sport de haute intensité. Ouais. Alors le hit, ce qu'on appelle le hit, euh, c'est de l'anglais, mais en résumé, euh, c'est des séances qui fractionnent euh, des petites séquences en, à fond, à fond ouais. les ballons, avec des petits temps de récupération euh, sur des activités de musculation, de boxing. On y va vraiment à fond, on mouille le maillot. Euh, c'est du fractionné. Et, et l'idée, c'est d'y aller euh, de se dépenser, mmh. de se muscler très vite, on a des résultats très rapidement et ouais. c'est super ludique. Bon mais c'est bien ça. Ça c'est pas mal. Bon, moi je fais... Alors là, euh, parmi parmi quand même les euh, euh, ce que vous proposez il y a l'Inferno Pilates. Il y a l'Inferno Pilates. Alors ça ça fait peur là ouais. rien que le nom. Ouais, c'est si flippant vous pouvez le truc. avoir peur euh, Bastien ah oui, euh, alors il ne faut pas retenir euh, Pilates euh, mais plutôt Inferno parce qu'effectivement là vous allez vivre l'enfer l'enfer pour vos pecs l'enfer pour euh, pour les fessiers pour les abdos euh, mais c'est euh, génial donc le principe c'est d'être enfermé dans une salle de yoga bikram chauffée à 40 degrés à 40 degrés voilà. donc c'est déjà voilà déjà c'est un effort en soi parce que déjà il faut résister à la chaleur et à la transpiration donc on glisse sur son tapis euh, on a un peu au début, on a un peu des vertiges, mais euh, mais ça détoxifie euh, l'organisme. En tout cas, c'est censé détoxifier l'organisme, ça fait un bien fou, c'est relaxant. Mais et alors là, là-dessus, avec des chorégraphies endiablées et une musique à fond, euh, on va faire des séries, des séries d'abdos, des séries de pecs, des séries de squats. Euh, alors moi, qui suis, qui pratique beaucoup d'activités sportives, j'avoue que j'ai failli ne pas arriver au bout de ce cours. C'est vraiment ah, oui, carrément. Euh, ouais, c'est l'enfer. Ça porte bien son nom. Ça porte bien son nom et c'est super efficace. D'accord. Donc ça, c'est le sport haute intensité. C'est-à-dire, voilà. bon, on n'a pas le temps de faire trop dans la dans l'endurance, etc. On se fait une ou deux séances par semaine et on finit par avoir des résultats en plus ah ouais. euh, rapidement. Ouais, 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 ouais. Ouais, les abdos, les pecs et tout. Et voilà. Et non. là, alors, pour euh, l'Inferno Pilates, je vous enverrai au cours de Yoga Bikram, cours de la Martinique à Bordeaux. Euh, résultat assuré. Et en plus, l'ambiance est très sympa. Parce que le Yoga Bikram, vous le mettez aussi dans le cette série de haute intensité. Parce que le Yoga, on a plutôt l'impression que c'est cool, zen, Tout tranquille. À fait. Sauf que là, le Bikram, on est d'accord, c'est dans la même salle, 40 degrés. Euh... 40 degrés, 26 postures qu'on enchaîne sans s'arrêter, avec des exercices de respiration, le prof au micro. Euh, il faut tenir le mouvement aussi. C'est raide. C'est du yoga euh, en version athlétique et sportive. Après, on voit des gens de tout âge pratiquer, y compris des enfants, euh, des personnes. Alors, en, en yoga bikram, on est senior à partir de 55 ans, faut pas se vexer. Non, non, euh, mais tout va bien. Mais c'est très physique et, euh, et, et à la fois, ça reste du yoga. Bon. Euh... Rien que d'en rien que parler, je suis déjà crevé, vous voyez. Donc, on va essayer de faire un truc un peu plus doux. Un peu plus soft Ouais, s'il vous plaît. Ben un peu plus soft, on, on, va aller, euh, on va aller précisément sur le yoga. Euh, alors, le yoga, c'est beaucoup de choses, le yoga. Mais, alors, euh, c'est ça, il n'y a, a pas un yoga. Il n'y a pas un yoga. Il y a 10 000 yogas. Il y a voilà. un yoga pour chacun. Euh, mais on va dire que, hormis le bikram, euh, le yoga est indiqué euh, pour pour tous les cas, euh, en version non chauffée, le hatha, le vinyasa, le vinyasa et l'ashtanga étant plus euh, dynamiques. Le vinyasa et l'ashtanga. Oh, voilà. C et alors, c'est euh, le vinyasa, c'est c'est du il euh, y a plus de mouvements et de chorégraphie, on va dire. Mais disons que le yoga, de façon générale, euh, permet de se recentrer sur soi, d'unir le corps et l'esprit. Euh, c'est une pratique plus douce, respectueuse du corps, qui respecte aussi les alignements biomécaniques. Euh, qui Mais ça bon, on y. Niveau, au niveau pec et, et abdos, c'est Ah, Alors, ça, je vous garantis que notamment sur le dos, sur le redressement du dos, sur les pectoraux, venez voir euh, les cours de yoga de Bordeaux, vous allez voir que les garçons, ils ont des bras comme ça, parce qu'il faut enchaîner quand même euh, les vinyasa, il faut enchaîner les planches, euh, les abdos travaillent énormément, mais euh, c'est du renforcement euh, profond, des muscles profonds, des fascias, c'est pas du tout la même version que la haute intensité. On peut enchaîner plusieurs cours, on peut varier les plaisirs. Le jour, où on est un peu plus fatigué, on fait juste du hatha. On peut faire du yoga spécial abdos, du yoga spécial femme avec le renforcement du périnée. Ça permet de mieux vieillir, d'être mieux dans sa peau, d'être relaxé. Et accessoirement, c'est en plein essor à Bordeaux. On a vu euh, ces, ces dernières années ouvrir de nouveaux clubs, euh, dont le très premium Satnam qui fête ses deux ans euh, d'ouverture cette année, Yoga With You. Quai des Chartreux a ouvert un deuxième club au Bouscat. Nataraja, Gare Saint-Jean ouvre un deuxième club aussi. Il y a Yoga Pop, il y, a, il y en a plein. il y a plein de yoga. Il y a plein Donc de très yoga. très bien, essaye Et le yoga. Il y en a forcément un pour toi. Il y en a un pour toi. <laughs> un... Même pour toi, Bastien. Même, même pour moi. <laughs> même pour toi. Il faut, 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 faut voir. Allez, euh, prenons l'air s'il vous plaît, parce que les salles, c'est bien, mais. Euh... Respirer grand c'est pas, respire, pas mal. Alors euh, bon, une fois qu'on a fait le tour, euh, le tour des ponts euh, trois fois par semaine, on aura peut-être envie de, de se mettre à autre chose. Alors pour varier euh, les, les bienfaits de la marche et du, du running, il y a effectivement différentes euh, possibilités. Il y a d'abord la marche nordique avec les bâtons. Classique. Alors attention, Classique. Les, les, les bâtons, il faut aller les chercher loin derrière et loin devant, ça sert à rien voilà. de, de faire comme ça. Il faut bien ça. synchroniser le haut ah, voilà. et le bas du corps pour euh, d'abord ouvrir la cage thoracique, voilà. euh, pour redresser le dos et pour euh, Effectivement, faire travailler le haut et le voilà, bas. Parce que c'est vrai que très souvent, il y, y a des gens qui, euh, qui marchent normalement juste en faisant des petits plantés de bâtons, monsieur Duss. Mmh. Et, euh, et en fait, non, c'est pas ça. C'est vraiment un travail. Non, il y a un vrai travail une de technique. coordination, voilà. de synchronisation et de souffle. Le mieux, c'est de se faire encadrer. Voilà. Euh, la gym volontaire, pour ça, c'est la fédération de la gym volontaire, est super parce qu'avec quelques cours, euh, ça permet d'adopter les bons gestes et puis aussi peut-être d'avoir envie de, de, de rejoindre ce qu'on oui, appelle parce une que, team. Oui, puisque c'est vrai que courir, roumain, marcher tout seul... C'est vite que, chiant. Ouais, vite ouais, c'est ouais, 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 vite chiant. Et donc, il euh, y a pas mal de groupes qui se constituent voilà. autour de... de, de plutôt associatifs, avec de la des niveaux... Nantes, euh, avec des, des niveaux, des et ça, âges... ça, c'est plutôt pas mal. Au moins, comme ça, on, on court on, 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 on en pouvant discuter, c'est pas mal. Et alors là... Euh, le Nordic Yoga, qu'est-ce qu -ce que c'est que Alors, ça le Nordic Yoga, c'est un mix assez intéressant entre la marche nordique, oui, le yoga, donc, oui. le yoga mais avec les bâtons, et la marche afghane. Et ce qui est intéressant, c'est. La marche afghane Oui, c'est une, euh, une marche venue. Euh, Afghanistan Voilà. J'imagine. Euh, et qui fait, agir, qui fait beaucoup travailler à la respiration. D'accord. Donc, c'est assez intéressant. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, on travaille l'ensemble de la chaîne musculaire y compris euh, la respiration. Euh, on, fait, on travaille aussi la souplesse avec le yoga, euh, du coup les articulations, la souplesse des articulations, l'équilibre, etc. Mais ce qui est aussi intéressant pour nous, c'est que ça a été, euh, soyons un peu chauvin, ça a été inventé et conçu par euh, un périgourdin qui s'appelle Thomas Faya, qui aujourd'hui euh, vit en Allemagne, mais qui continue à développer la, la pratique, euh, former les coachs à travers le monde, et, euh, et il est très dynamique et c'est assez bien. intéressant à tous. Il y a forcément yoga pour toi. Il y a forcément yoga. Pour toi. <laughs> Et voilà. euh, il y a également des, 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 des bâtons rigolos qui font pump. Des bâtons rigolos <laughs> qui font pump, pump, pump quand on les manie. Alors, c'est manipule, c'est comme euh, un petit peu, c'est le même principe que la marche nordique. Euh, sauf que ces fameux bâtons qui ont été, euh, là ont été conçus euh, et fabriqués à Asparin, continuant d'être chauvin, euh, sont équipés d'un piston qui permet en fait un effet rebond au mouvement. Euh, donc ça permet d'avoir un peu plus de, de dynamisme dans le mouvement, euh, d'avoir un peu plus d'impact sur le haut du dos et sur le, et, et le haut du torse et, euh, et accessoirement c'est très ludique ça permet d'aller très vite. Donc là, c'est pour la, la marche. Après, il y a ce qu'on appelle les sports connectés. Alors là, c'est pour peut-être un public un petit peu plus jeune ou un petit peu plus averti, j'imagine. Alors, euh, il y a deux types de sports connectés. Il y a effectivement les, le sport connecté pour les, les geeks, les jeunes, les, 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 ou, ou même le public qui aime bien les jeux vidéo, pourquoi ouais. pas. Euh, parce qu'en en fait, ce sont des. toute un, tout une génération d'appareils de musculation connectés qui permettent. Par exemple, de se mesurer en ligne avec son copain qui est à l'autre bout de la ville ou du ou de la terre, et et de et une sorte de, de jouer là, voilà, comme ça. et de jouer avec la machine. Ça rajoute un côté un peu un peu ludique, un peu sympa à 30 une à 30 minutes de vélo ou d'elliptique qui peuvent être là aussi un peu un peu rasoir. Oui, à parce, parce qu'au début on regarde une série et puis une fois qu'on l'a vu euh, quatre ou cinq fois en même temps qu'on pédale. Pff, ouais, voilà. Ça, et puis, ouais. Parfois on se sent un peu seul aussi. Euh, c'est ça. Sur sa parce machine. que c'est ça t -t tous ces sports là. Un petit peu comme ça qu'on évoque en tout cas toutes ces activités bien-être, très souvent on est hyper solo. Euh, Est-ce que justement ça, c'est pas un, un problème Parce que faire du sport, c'est aussi échanger, c'est aussi s'amuser. Euh, là, c'est vraiment, euh, on pense qu'à soi, on pense qu'à qu son corps. Hein. Alors ça dépend parce que dans les clubs de yoga, par exemple, euh, on, on est sur son tapis, mais il y a une énergie qui est commune quand même. On partage euh, euh, le même cours, on suit le même prof, on partage la même énergie, le même effort, on chante le même homme quand même, puisqu'on chante des mantras en cours de yoga euh, d'une même voix. Euh, mais effectivement, certaines pratiques peuvent euh, paraître un, un peu... Euh — Un Peu solitaire, solitaire mais c'est oui. aussi pour ça que le fitness en salle et en groupe collectif a aussi beaucoup de succès parce qu'on parlait du hit ou du crossfit, euh, ce sont des activités collectives et qui entraînent euh, le groupe, euh, des, des clubs dans lesquels on peut se faire des amis. Euh, oui, voilà, ouais. voilà. Et Donc, l'idée c'est quand même, voilà, on peut très bien se retrouver à faire une pratique. Seul, mais essayer de le faire en club, c'est peut-être plus sympa ou en groupe ou en assaut. Déjà, on est sûr de faire les bons mouvements, d'adopter les bonnes postures. Oui, parce que parfois, on se dit, c'est exactement comme le cas de la marche nordique, le nombre de personnes qui ne font pas le mouvement qu'il faut. Oui, c'est dommage quand même. Sachant qu'on peut se blesser. tout En plus. Et après, Voilà. Et alors, dans les sports connectés. Voilà, il y a un peu ça aussi. Il y a en tout cas l'idée qu'avec certains appareils, on peut décupler ses efforts. Euh, par exemple, avec le Mia Bodytech qui est une machine d'électrostimulation ou' X Mais Ça marche vraiment, ça Alors, j'explique. Euh, oui. On dit que euh, une séance de 20 minutes équivaut à 4 heures de sport, euh, de musculation. Est-ce que ça marche vraiment Alors, écoutez, moi, j'ai essayé. Donc, on vous met le principe c'est qu'on vous colle des, des petites électrodes, vraiment comme chez le cardiologue, mais. Bon, chez les filles, euh, les, sur les fessiers, les cuisses, les bras quand même, le, les abdos, euh, on vous met une combinaison par-dessus. Vous faites quand même, pendant que les électrodes s'activent et tétanisent les muscles, euh, vous faites quand même des exercices de musculation avec ah, votre attirail. Ce n'est pas juste comme ça, non. tranquille dans son canapé, ah en sirotant un petit verre, frère Pas frais. tout à fait. Ah, et donc, vous sortez là aussi, trempé de sueur. Donc, ah et oui, et, pas... et perclut de courbature. Alors, est-ce que ça marche Ça ne vaut pas euh, pour le cardio, pour l'effort cardio, pour l'entraînement le, du cœur, ça ne vaut pas, selon moi, euh, un, un footing. En revanche, sur le résultat musculaire. Pas mal. Bon, alors si vous avez envie d'essayer tout ça en même temps, vous vous dites que c'est pas possible, ben si, vous eh ben pouvez si. quasiment le faire parce que il existe à, à Bordeaux Urban Sport. Qu'est-ce que c'est Urban que ça Sport, alors c'est une, une, une initiative qui existe aussi dans d'autres dans grandes villes euh, qui permet avec un abonnement d'avoir accès à toutes ces activités, effectivement, euh, à toutes ces activités, en tout cas pour l'instant sur la communauté urbaine de Bordeaux. Donc par exemple, selon le Selon le tarif auquel j'ai souscrit, j'ai droit à différentes choses. Par exemple, avec le tarif XL, c'est comme dans les vêtements, c'est du S au XL, j'ai accès à 116 studios de fitness, de yoga, pilates, danse, arts martiaux, sports aquatiques, électrostimulation, spa et massage. Alors, si avec ça, vous n'arrivez pas à trouver votre bonheur et que vous ne vous revenez pas attaquer l'été 2020 en, en, en forme avec des les abdos, euh, des biceps, etc. C'est que vraiment.. Euh... Vous n'avez pas de volonté. Voilà, voilà c'est ça. Vous avez la volonté d'un tuteur à Muguet. Et croyez-moi, <laughs> les tuteurs à n'ont pas beaucoup de volonté. Ils sont même réputés pour ça. Euh, merci beaucoup, euh, en tout cas, d'être venu nous, nous aider. Euh, justement, tiens, vous qui avez l'habitude, pour terminer, le petit conseil, si on, commence à, on, si on commence à sentir sa volonté, fléchir un peu, c'est-à-dire au bout de la deuxième séance, en ce qui me concerne. Euh, c'est quoi le, 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 le truc, l'astuce pour se dire bon, allez, faut y aller là, hein faut euh, se motiver bon, On a toujours une bonne raison pour pas y aller. Il fait froid, il ah fait oui. froid, j'ai pas le temps, il fait nuit, il pleut, il fait trop chaud. On trouve toujours une bonne raison pour pas y aller. Alors, il peut y avoir euh, l'astuce de, de caler le rendez-vous avec la copine, du coup, on peut pas la décommander au dernier moment. Ça, c'est pas sympa. C'est pas Ça c'est Décommander la au dernier ah moment, bah, ça se fait pas. Et eh bien voilà, Donc, du coup, contraire. on est obligé d'y aller. D'accord, d'où l'idée de pas faire ça tout seul non plus tout le temps. Ouais, ouais, moi je trouve que c'est ça motive. Ouais. Bon, trouver quelqu'un pour faire avec vous de l'inferno Pilates, et là euh, vous allez euh, terminer, mais alors, euh, une beauté. Une bombe. Oh, pff, une bombe. Merci. Et puis, merci, ah, merci. tiens, bonne fête. Bonne fête. <laughs>